ce qui est comme notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour pour nous. Samuel Probas. Naouina papa lo. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, bonjour. Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je parle en tant que la voix du Christ. Ça, c'est un jour béni. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que toute alliance que l'ennemi a tissée contre vous soit brisée dès aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Et frères et sœurs en Christ, recevez la parole du Saint-Esprit en ce jour par mon frère Kenny. Un jour, j'ai rencontré maman dans un marché alors que j'étais en train d'annoncer la bonne nouvelle. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Cela m'a fait beaucoup rire. Mon fils, j'ai ton péché que le Seigneur ne peut pas me pardonner. Cela m'a vraiment touché parce que j'ai dit ceci. Il n'y a aucun péché que tu puisses faire et que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Ça me fait rire parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle la miséricorde. Vraiment, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu vas connaître ce qu'on appelle la miséricorde. Nous servons un Dieu miséricordieux, quel que soit le péché que tu as déjà fait. Aujourd'hui même, tu sauras qu'il y a un bonjour, un salut pour toi. Écoutez l'histoire de Jonas. Ma copine, tout ce que le passé a dit, tu as vu ça pour manga. Lorsque Jonas sortit du poisson, il a commencé à croire en Jésus-Christ. En fait, il a commencé à croire en Dieu. C'est alors qu'il a donc décidé d'aller à Ninive annoncer la bonne nouvelle. Quand Jonas arrive à Ninive, il dit ceci. Après 40 jours, Ninive va être détruite. Telle était la parole de Dieu. Jonas a dit à Ninive, après 40 jours, Ninive va être détruite. Chose étonnante. Après 40 jours passés, Ninive n'a pas été détruite. Et une honte que Jonas avait. Jonas a tellement eu honte qu'il est allé se cacher dans un désert, sous une pierre là-bas. Il dit ceci, « Mais Seigneur, pourquoi tu me demandes d'aller annoncer à Ninive telle chose et puis ça ne se réalise pas ?» Dieu demande alors à Jonas, une herbe que j'ai fait pousser en une nuit et je l'ai fait détruire. Toi, tu as pitié de cette herbe. Combien de fois le peuple de Ninive qui a reconnu ses péchés et s'est repenti, ne devrais-je pas avoir de la compassion pour eux? Ne devrais-je pas leur pardonner leurs péchés? Quel Dieu miséricordieux. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique 26, verset 27 à 29. Si malgré tout cela, vous ne m'écoutez plus, j'enverrai la foudre sur vous et je vous châtirai sept fois plus que vous n'aurez pensé. Ouh!
toi. Qu'est-ce qui est arrivé ici que ton pied comme ça? La prophétie du pasteur. De quel comme ça? Ouh, ça allait du marché. Marché, ouh, de ça. J'avais dit que Dieu n'existait pas. Ok, le pasteur est ensemble là. Cherchons la voiture. Venez, cherchons la voiture. Venez, cherchons la voiture. Tu connais quelque chose par rapport à ta situation et tu dois confesser afin d'être libéré. Vas-y maintenant, confesse. Vas-y, confesse. Parce que je reconnais avoir blasphémé le nom de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Amen. Et maintenant, si vous voulez nous encourager, allez à notre chaîne Agent Kenny à YouTube, abonnez-vous, partagez et likez. Ceci pour nous encourager. Ça ne vous coûte rien du tout, mais ça nous permet de faire des choses encore plus bien que celles-ci, c'est pas ça? Effectivement. Pour nous encourager à vous donner le meilleur de nous. À la proxima. Seigneur, nous te remercions pour ce grand amour. Nous a donné Jésus-Christ.
vie que j'ai aujourd'hui. Chaud. Ça sera même pas facile que je chope les gars. Hein. Laisse-moi ça, attends un peu. Ça sera pas facile. Mais... C'est comme ça. J'ai le bac. Hein. Tu as le. Arrête, saisis-le. Ah, le bac. Tiens, c'est même pas derrière. Tiens, c'est même pas derrière. Tu es malade. Tu as atteint le bac pour m'arrêter. Vous m'arrêtez. Saisis-le en le fesse. Tu n'as pas l'âge de mon fils. Tu dis que tu as le bac. J'ai le bac. Le bac là. Mon fils est docteur. Dis-le. Dis que notre cèpe dépasse ton bac. Dis-le. Mon fils est docteur. Dis que notre cèpe dépasse ton bac. J'ai le bac. Parle. Dis d'abord. Dis. Mon fils est docteur. Dis que notre cèpe dépasse ton bac. Dis. Tu vas parler. J'ai le bac. Dis que notre cèpe dépasse ton bac. Dis que le cèpe dépasse ton bac. Dis que le cèpe d'un policier dépasse ton bac. Dis que notre cèpe dépasse ton bac. Parle vite. Oui, ça dépasse. Dis que le cèpe d'un policier dépasse le bac d'un billet. Ou bien alors d'un professeur. Dis que le cèpe d'un policier dépasse le bac d'un professeur. Tanguine. Tu que le cèpe de... Il est mort. Allons, ouf. Attends, d'accord. Il est mort. Oh. Attends, je le voulais. Tu que le cèpe d'un policier dépasse le bac d'un enseignant.